Et salut tout le monde, c'est Startan, sauf pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck. Donc ce sera une nouvelle série que je vais commencer sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur une toute nouvelle partie, donc je viens juste de créer ça. Donc là on va faire la première livraison donc qui est à faire lors du début du jeu. Donc on est en Volvo FH16. Donc c'est parti, normalement c'est une toute petite livraison qu'on a à faire à ce moment là. Hop, alors on va remettre le volant droit, parce que j'avais tourné pour la miniature. Et on est parti, donc là je suis au clavier pour jouer, donc ça risque d'être un peu dur. Mais bon, on va réussir, donc je vais juste par contre mettre les GPS comme ça, je préfère. F3, ok, comme ça c'est bon. Et F2 pour le rétro, voilà. Donc là on a une toute petite livraison à faire, on a 2 km, 2 minutes. Donc c'est parti. Donc je suis en automatique réel, donc avec le... Là, les roues elles étaient encore tournées. Avec la marche arrière à passer et la marche avant, c'est tout. Je vais faire jouer comme ça, c'est un peu plus réaliste, parce que enfin jouer en boîte manuelle, pardon, ce serait un peu dur au clavier. Donc là on part comme ça tranquille. On va essayer de se faire si possible. On va partir sur le GPS comme ça, voilà. Si possible deux livraisons en fonction de du temps de trajet. Hop. Donc là on est déjà bientôt arrivé, ce sera déjà une livraison de fête. Donc il y aura sûrement au fur et à mesure d'une des séries. Oula. Il y aura sûrement des modes au fur et à mesure de la série, donc on devra créer juste une nouvelle partie, mais ça c'est pas très dérangeant encore. On va déjà faire celle-là à fond. Peut-être que je brancherai ma manette de PS4 au fur et à mesure, voir comment ça se passe à la manette. Parce que j'ai toujours quasiment joué qu'au clavier. Donc je verrai à la manette comment ça se passe. Là, on va peut-être un peu vite là. Je suis raté pour rien, le feu s'est mis vert directement au moment où je me suis arrêté. Hop, on tourne là, on va tenter une mise à quai, tant bien que mal. Voilà, tenter quand même, je suis un peu nul à ça au clavier. Enfin, au volant ça doit être pareil vu que j'ai jamais conduit avec le volant. Hop, on va ressortir. On va prendre toute la route. Hop. On va regarder si en regardant derrière, c'est pas trop galère. Bon endroit. Hop, on va repartir un tout petit peu en avant. Hop. Non, là c'est la cata. Bon, au moins on sera bien placé là pour se remettre sur la place. Hein. Ça sera déjà moins pire. Hop, on va quand même regarder dehors, c'est plus facile. On verra le temps de l'épisode parce que si je mets 3 heures à me garer. Bon, c'est à peu près ça déjà pour commencer. Voilà, pour une première, ce sera déjà pas mal. Hop, frein à main, on coupe le moteur et on livre. Voilà, donc c'est déjà pas mal, excellent. Hein. Afficher les résultats. Toujours niveau 0, mais en même temps avec la toute petite livraison qu'on a fait, c'est un peu normal. Hop. Donc là on débloque notre premier siège social. Mais on n'a pas encore de camion, donc on va attendre sûrement le prochain épisode avant de pouvoir acheter un camion. On va aller au marché du travail. Mission rapide. Un truc assez rapide quand même. On va se faire de la France pour commencer. Il y en a pour combien de temps? Là 1h52. On va regarder un truc pas trop long, en 12 minutes ce serait peut-être un peu court. Mais non, 12 minutes c'est le temps que ça expire. Ah ouais, ils mettent pas le temps de route. On va se faire celle-là, allez.
hop, jusqu'à Reims. Ça va, on a un beau camion en plus. Un beau Volvo encore. On va mettre au tableau de bord. Voilà. Bon, ce qui est bizarre, c'est que le tableau de bord, on voit très mal. Alors que j'ai la qualité en ultra, il me semble. Donc c'est bizarre. Je verrai ça pour le prochain épisode. À régler tout ça. Bon, ici, on sort par là. Ouais. Ça va, on livre des petits. Oula. On a un peu touché, mais ça va. Ça a pas fait de dégâts. On livrerait des tracteurs. Ça va, ça fait une belle remorque. Je verrai au fur et à mesure, pour avoir un volant, ça pourrait être pas mal pour jouer. Ça pourrait être très cool au volant. Hop, c'est parti. On verra, ouais, dans le deuxième ou troisième épisode, pour faire un emprunt, pour pouvoir avoir... Non, je passe. Pour pouvoir avoir un camion. Même si on a un petit camion, ça serait déjà ça. Sûrement des petites musiques en fond, des petites musiques tranquilles pour passer le temps du voyage aussi, ça peut être bien. Je verrai ça au montage, en fonction de si je parle beaucoup ou pas. Là on a 2 heures de route, 130 km, ça va mettre... on devrait arriver d'ici 10 minutes peut-être. Donc ça va encore, c'est pas mal de route, là il y a un radar qui va arriver. On va rester à 50 nous. J'ai pas mis le limiteur. Un nouveau message, on verra après. J'ai pas mis le limiteur à 90 là, comme sur. Bah, comme il est de base. J'avais pas envie, parce que ça fait moins réaliste d'avoir un camion directement limité à 90. Hop, on va allumer les phares. J'ai pas réglé mes touches pour les phares, du coup je sais pas trop sur quelle touche faut appuyer, mais c'est pas grave. Hop. On a J pour les appels de phares. Bon, peut-être j'aurais dû replacer un peu tout ça parce que là on est un peu mal placé. Niveau hauteur du volant et tout ça. Hop, on va rester à droite. Y'a personne sur la route là presque. Attends, c'est midi et demi là sur le jeu. Pas grand monde, hein. On va ralentir. Oh non, merde, j'aurais dû me mettre là. Vite, avance toi. Hop. Donc de temps en temps, on fera peut-être aussi des lives sur Eurotruck que je rediffuserai sur la chaîne YouTube. Ça peut être cool aussi en live. J'espère que ça plaira. Donc ouais, je verrai pour régler ce problème de, bah, de... Pourtant je suis en ultra, mais sur le tableau de bord, on voit que dalle, quoi. Donc Je verrai pour régler ça dans le prochain épisode. Tu vois, c'est pas beau, alors que pourtant c'est l'ultra pourtant, ouais, donc c'est bizarre. Là qu'on arrive au péage, on va passer. Ah ouais, il me laisse passer cet enfoiré, mais on passe à droite au péage normalement pour les camions. Pour les poids lourds c'est à droite. Avance. Ok, bandit. Ah merci, il me laisse passer. Bon. Au final on aurait dû aller tout droit, on aurait été un peu plus vite. Plutôt que d'attendre là. Hop. On est parti. Donc ça va, là pour les premiers trajets on va essayer de rouler de jour, ça sera plus un peu plus simple. Merci poteau, il me laisse passer. Qu'il est gentil. Hop. Là ça va, le trajet va quand même assez vite, hein. On a déjà plus qu'à 1h25. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on... J'ai un petit freeze. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on roule, ça doit faire 3 minutes qu'on est parti. 3-4 minutes, ouais, ça va. Il est beau le paysage là, ici. Sur le pont et tout. On verra pour installer des maps... des maps aussi pour diversifier un peu tout ça.
Attendez, j'ai jamais encore installé de map ni de mode, donc je me renseignerai d'abord pour faire tout ça. J'espère que c'est pas trop compliqué, normalement y a pas de raison que ce soit compliqué, hein. Mais bon. J'espère que ça ne le sera pas. Ouah, purée, je regardais mon clavier pour le retirer, heureusement que je me suis pas pris de mur. On commence à se prendre des dégâts avant de. Enfin, la première livraison, quoi. Ce serait bête, ça. On fera notre emprunt ouais, au deuxième épisode, je pense. On se prend un petit camion là si on a débloqué des concessionnaires. Sinon, on attendra encore un peu. Oula, on va peut-être un peu vite là. C'est quoi que j'ai touché un truc derrière ? J'ai l'impression que le camion il a sauté tout à l'heure. Ouais. Je perds la tête. Ah bah, lui, il essaie de me doubler, mais il n'y arrive pas. Je suis déjà à 90 moi. Avec sa voiture orange là dans le rétro. Il a du mal, hein. Il se met à gauche pour doubler, mais il n'arrive pas à doubler. Ok, ce camion les gêne pas, il passe tout droit, lui. Beaucoup de péage, là. On vient d'à peine de sortir d'un péage qu'on en a encore un. La vitesse. Voilà. Vous voulez pas passer la vitesse. On est reparti. Clignotant. Hop, on va. Faire la remorque, ça va. Laisse-moi passer, toi. Yeah, merci. Hop, ça c'est bon. Il est plutôt bien ce camion-là. Je sais pas trop ce que c'est comme camion. Je connais pas. Je connais pas trop. Lequel c'est de Volvo, mais voilà, on reste à droite là, à gauche pardon. Hop, on va ralentir un peu quand même, pas trop aller vite, on va faire trop le fou là pour le moment. Hop là, on va essayer de se découvrir à peu près toutes les villes de France avant d'aller dans les autres pays. Ça pourrait être bien de découvrir un peu toute la map. On va essayer de faire toute la France. Là, on va déjà jusqu'à Reims. On verra pour aller jusqu'à Lyon ou un truc comme ça. Voilà, donc on va déjà bientôt être arrivé. On va déposer à Reims. On arrive à Reims. Il reste 31 km. Donc c'est bientôt la fin. J'espère que ça fera à peu près 20 minutes. Hein. Normalement, ça doit faire 20 minutes vu le temps que je vais mettre à me garer. Ça doit être ça. On va passer par la deal. On va ressortir. On va essayer de ressortir là-bas. J'aimerais bien avoir débloqué si y a un concessionnaire ici ou quoi. On va juste faire un petit détour. Voilà. Non, c'est pas ici qu'on tourne. On va faire un petit détour pour découvrir un peu tous les trucs. Non, c'est pas ici non plus. Si. Ici on peut y aller. J'ai l'impression qu'il y a personne dans cette ville. C'est vide ou quoi? On découvrira le point d'interrogation qu'il y a là-bas. Voir si c'est un concessionnaire ou une agence. Une agence de recrutement là. Mince, faut vraiment que j'y aille. Il y a vraiment juste devant pour le découvrir. Oh non, c'est une agence. Oh dommage. On va aller faire demi-tour là-bas, derrière ici à gauche là. Là. Ah ouais, c'est l'entreprise d'ici. Oh, il freine pas ce camion. Il faudra que j'augmente l'intensité du freinage. Oula, la remorque elle est. Pourquoi on s'est foutu encore là? On s'est foutu dans un sacré pétrin là. La remorque elle va lâcher. Je peux pas plus, je me suis foutu dans un sacré truc là. Et allez, voilà la remorque. Bon, plus jamais on fait ça. Plus jamais on fait ça. Là c'était trop. On a fait un accident déjà, première livraison en accident.
Rappelez-moi de plus jamais faire ça. C'était la cata. Bon, je crois que c'était à rien ce qu'on devait livrer. Bon, je sais pas trop. Ça se trouve, c'est un peu plus loin que Reims, hein, c'est pour ça. Peut-être ça. Hop. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus souvent d'épisodes de Road Truck, parce que je pense en faire un par semaine. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez deux par semaine, ou même plus espacé, hein, tous les deux semaines ou quoi, vous me dites, hein, n'hésitez pas. Ah ouais, on va être arrivé, je vois le point là-bas. N'hésitez pas à me dire tout ça. Comme ça. Vous serez content. Le Road Truck, ça a l'air de plaire pas mal. Il n'y a pas grand monde qui fait du Road Truck à part. Mince, comment ils s'appellent les deux qu'en font là. Il y a. Danger. Et un autre, je sais plus comment il s'appelle. À part ça, il n'y a pas grand monde qu'en fait ce jeu. Donc, moi je voulais en faire, mais mon ancien PC n'était pas assez puissant. Bravo. Il n'était pas assez puissant mon ancien PC pour faire du Euro Truck. Ouais, c'est pas ça. On va essayer de faire plus de dégâts parce que là ça commence mal déjà. Enfin, j'ai fait un accident et 1% de dégâts. C'est bon, les personnes. Voilà, ça c'est fait. Du coup on est un peu plus loin que Reims là, je sais pas du tout où on va, mais bon. Pas trop grave. Liège, Bruxelles. Bon, c'est rien. Ah ouais, ça doit être Reims. On est en direction, enfin on est dans Reims encore. Ça doit être à l'extérieur de la ville, c'est pour ça. Voilà, on va être arrivé pour notre deuxième livraison, enfin première parce qu'on va dire, parce que l'autre elle compte pas vraiment comme une livraison quoi, donc c'est le premier truc et qu'il y avait un mètre à faire là. Un kilomètre, 2 km à faire, pardon, il y avait donc bon. C'est pas vraiment une livraison qu'on a fait avant. Hein. Ah non, putain, je crois qu'il y avait la place. Ah si, il y avait la place. Il y a qu'il y ait là-dedans. Voilà. Hop, on va mettre la tête dehors comme d'hab. Hop, on essaie de faire du premier coup là, ça pourrait être bien. Après je demande pas un truc parfait, je demande juste à ce que la remorque soit dessus. Après le reste, on s'en fout total. Voilà. Si jamais j'ai un volant, on essaiera de faire des trucs un peu plus beaux. On va quand même faire un truc un peu mieux. Hop. Voilà, ce sera déjà pas mal, hein. On est déjà dessus sans avoir fait entrer, donc c'est bon. Je juge pour moi que c'est bon. Donc voilà, on livre. Donc on aura peut-être un petit malus, c'est pas trop grave. On aurait pu passer niveau 1, bon tant pis. On verra dans le prochain épisode. Alors, donc voilà. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, je sais pas trop combien de temps il dure, il devrait durer a priori un peu moins de 20 minutes. Donc voilà, c'est tout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à laisser un petit commentaire si ça vous plaît. Allez, bye tout le monde.